Hey, on vient de rendre dans la voiture. Ça y est, on a rendu la voiture, donc c'est super bien goupillé. Moi, je pensais qu'on allait payer une blinde. Et au final, on a juste payé en plus les péages. D'ailleurs, on ne sait même pas où c'est qu'on s'est chopé les péages. Et on a payé. En fait, on devait avoir 250 km autorisés dans la réservation. Là, on en a fait 268. Sauf qu'on a fait le plein hier, j'ai dit au mec, putain, on a fait le plein, tu peux pas nous charger juste les 12, les 18 km en plus. Il a dit bon bah ok, donc c'est cool. On a juste payé les péages, donc c'est parfait. Plutôt, plutôt facile de Ouais, circuler. c'est très très facile, franchement. En plus, les parkings sont la plupart du temps gratuits. Hier, on était allé pareil dans un mall, parking gratuit. Les routes sont bien, sont clean, il n'y a pas de problème quoi. Ouais, à part les grosses bagnoles qui roulent super Ouais. vite, Sur l'autoroute. franchement, ça va, c'est. Puis en plus, comme c'est une automatique, C'est vachement smooth c'est quoi. vachement, ouais, voilà, c'est super simple en plus. Très facile. Donc non, super expérience. Si j'avais su, j'avoue peut-être qu'on aurait pris la voiture pour tout le voyage quoi. Ouais. Mais après c'est un coût aussi donc. Ouais, vu que le kilométrage il n'est pas illimité, c'est vrai que c'est Après, j'aurais peut-être pu pas. trouver des agences genre Avis ou Hertz où là ils peuvent te faire le kilométrage illimité, mais là c'était trop bien parce qu'en plus l'assurance a été comprise quoi. Parce que d'habitude, quand tu vas chez Hertz, si t'arrives un pépin, bah t'es dans la merde, hein, tu dois payer 1000 balles. Hein. Bon bah plutôt sympa comme expérience la voiture. En plus on avait un beau 4x4, enfin un beau 4x4. Un SUV Sportif. sympa, donc plutôt cool. Donc là, on va prendre le métro et on va dans le vieux Dubaï. Voilà, on va dans le vieux Dubaï, donc. Et d'ailleurs, il y a un quartier où c'est la plus grosse population de Pakistanais, Philippins, Afghans. Ok. Ça grouille apparemment. Bon, je sais pas si on y ira. D'accord. Bon bah, on va voir, hein. On va voir. Allez, c'est parti. Après 1 heure, non, Non, après t'exagères. 30 minutes De ou métro. 35 minutes de En métro fait, on a traversé tout Dubaï en gros. blindé, Moi, j'avoue, c'était la ligne 13, 10 heures de pointe. Hein. genre pas super cool quoi. Là, nous voilà dans le vieux Dubaï. Alors, c'est le repère des Pakistanais, Philippins et compagnie. Indien, tout. En fait, ce qui est vraiment étrange, c'est qu'on est à Dubaï, mais dans les transports, partout, même dans la rue, il n'y a pas d'Émirat. Enfin, c'est que des Philippins, c'est que des Indiens, c'est que des Afghans, mais il n'y a pas d'Émirat. En fait, on a l'impression d'être aux Philippines, des fois. Émirien. 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 Enfin, C'est. c'est bizarre. Puis là, ça va être encore décuplé parce que on va vraiment dans le quartier où ils sont tous. Donc, C'est là où ils habitent, quoi. c'est assez bizarre. Mais bon. Vraiment, ça nous permet de voir aussi et de voir comment c'est, quoi. Oui, c'est clair. Là, il fait bien chaud. Non, il fait Oh pas là chaud là. là. Il fait ultra chaud. Il fait ultra chaud là. Donc là, il y a quoi, 20 minutes de marche? À peu près. Ouais. Donc en fait, on aurait pu reprendre le métro, mais. Bah, avec Enfin, le monde qu'il y avait, même si pff, honnêtement, il y a la autant. clim à côté, hein. Ouais, il y Faut a la faire clim. l'effort. Mais franchement, faut faire marcher quoi. Si tu veux une fontaine, tu peux être baigné. Ah.
dans le quartier de La Mer. Donc en fait, on était dans un petit mall après avoir déjeuné. Et on a fait un peu de shopping, on a fait des emplettes, donc trop cool. Des emplettes. On a trouvé des trucs en solde. On a trouvé des trucs en solde chez Under, j'ai trouvé des chaussures, enfin bref, trop bien le truc. Et on voulait aller donc maintenant dans le quartier de La Mer. On a appelé un Uber, donc un autre truc de Uber ici s'appelle Karim. Sauf que le mec nous a jamais trouvé, on a attendu bien 5-10 minutes. Mmh. Et quoi? C'est qu'en fait le mec nous cherchait et en fait on avait mal mis le... Je pense qu'on a mal mis, mais en même temps j'ai mis l'adresse dans l'appli quoi. Mais en fait le mec il nous attendait genre 3 pâtés de maison plus loin. Alors du coup j'ai annulé la course. Et ça a coûté 27, sauf que j'ai pas enregistré ma CB dans l'appli. Donc ils me disent solde impayé. Donc bon. J'ai peut-être mettre une CB et payer le truc et puis on en parle plus quoi. Parce que j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Donc là finalement on a hélé un taxi. C'est ça qui est un peu chiant quand tu prends le taxi, tu sais jamais pour combien tu vas en avoir quoi. On revient à Dubaï, on loue une voiture, hein, c'est sûr hein, par contre. T'as dit quoi? On revient à Dubaï, on loue une voiture. Hein. Ah oui. Ah, c'est clair. Hein. Et comment on va revenir, c'est sûr. Ouais, pas tout de suite, mais... Non, pas tout de suite, mais moi, je reviens dire si c'est trop bien. Il fait chaud, on est tout peg. Non, on est moins peg. Non, bah non, c'est sec. C'est pas la même chaleur, ouais. C'est sec. Donc 15 km. Voilà, 22 000 pas. 22 000 pas. Donc c'est toute une bonne journée. Ah là par contre on est dégueulasse. On était dans le quartier super chic à La Mer. Ouais. Et les gens ils étaient trop bien sapés, genre les meufs trop belles et tout. Je suis dégueulasse. J'ai la journée sur moi, je fais n'importe comment. Mais on s'en fout, on a vu plein de trucs aujourd'hui, c'était trop cool. Ouais. Plein de trucs en fait que j'avais repéré, que j'avais prévu, donc c'est génial. On voit vraiment la vie différemment de Dubaï quoi. Le vieux Dubaï où c'est les pauvres gens en fait qui sont c'est là-bas, ça. Y a rien quoi. Les pauvres gens quoi. Et après vraiment. Le quartier de La Mer où c'était genre tous les Dubaïotes sont là-bas, les familles. Ah ouais, on se disait mais c'est bizarre, on n'a pas vu des Dubaïotes, des Myriens, tout ça. Mais en fait ils étaient tous là-bas, ils étaient fin de journée là-bas. Avec les familles, manger dans les restos. Et en plus on est vendredi donc c'est week-end. Donc, ouais. Il y avait 1 milliard de restos, un truc de fou. Ce coin c'était magnifique. Trop beau. Ouais. Les voitures de taré, on a vu une Lamborghini tout à l'heure. J'ai jamais vu une voiture comme ça. Et puis j'ai même pas eu le temps de la prendre en photo en fait. Hein. Comme on est passé super vite. La Ferrari aussi bleue là. Ah oui, je l'ai montré à mon père. La Ferrari de la mort. Il me dit ça va les gens, ils ont de la thune. Hein. Je sais bah ouais carrément. Bon là on sort du métro donc on va plus rien voir. Et puis il faut qu'on aille à l'hôtel. Allez, salut. Ciao.